Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Voilà, après un podcast spécial Journée des droits de la femme la semaine dernière, on revient cette semaine avec, voilà, comme d'habitude, deux chroniques et un Politips. Et cette semaine, la première chronique, elle a été préparée par Léa. Salut Léa. Salut. Et alors qu'on parle beaucoup de Russie, en ce moment, toi, tu nous parles de la Russie, mais d'une autre façon. Dans le sport. Ouais. Enfin, surtout dans la tricherie dans le sport. Ah, d'accord. Oui. Ils sont vraiment connus que pour des bonnes choses, les Russes. La deuxième chronique, c'est Matt qui l'a préparée. Et alors, on va parler d'e-sport. Ouais, t'as vu. Parce qu'on avait déjà parlé d'e-sport à propos de League of Legends. Ouais. J'ai retenu, hein. C'est vrai, j'étais pas au courant. Si, on a déjà parlé. Okay. Bon, c'est Matt hein, qui gère ça, souvent. Et on va parler d'autre chose, c'est ça? Ouais, cette fois, on va parler du jeu Super Smash Bros. Ah, voilà. Il y a un lien avec Mario. Oui, c'est édité par Nintendo. Voilà. Mario, ça fait partie des personnages. T'inquiète et pas. Et bah voilà, vous savez. Mais tu verras. Je t'explique un peu comment ça se passe. Je suis super content, j'apprends tout un des trucs. Cette semaine, il y aura aussi un Politips avec la présidentielle qui se rapproche à grands pas. Et évidemment, il y aura un maxi quiz. Et c'est Baptiste qui l'a préparé cette semaine. Hello. Et ce sera pas trop dur. Et en fait, j'espère que ce sera dur juste pour faire souffrir Matt. Parce que rarement il participe au maxi quiz, vu que souvent il les prépare. Et souvent il gagne, non? Bah souvent il participe je fais pas souvent. Ouais, c'est vrai que je fais pas souvent des maxi. Jamais c'est il joue, toujours il les prépare. C'est vrai. Et toujours il se fout de notre tronche, donc là j'espère que ce sera bien difficile. Bah, écoute, là je suis pas préparé hein, pour le coup, mais J'en suis ravi. Et il y a aussi Pauline, merci Pauline d'être qui est en régie. Voilà, vous ne l'entendez pas mais elle est là. Merci Pauline. On commence tout de suite ce podcast avec la première chronique, c'est la chronique de Léa. Et donc, depuis quelques années, quand on parle de sport et de Russie, souvent quand même on pense au dopage, donc tu as décidé de revenir sur ce phénomène. C'est ça. Dans cette chronique, je voulais revenir sur une des plus grandes histoires de tricherie dans le sport, avec les cas de dopage de la Russie aux JO. Puisque pour rappel, c'est une des raisons pour lesquelles les athlètes russes ont concouru sous bannière neutre cette année, et en plus on a eu un cas de dopage en patinage artistique, celui de Kamila Valieva. Alors, le scandale de dopage russe a été lancé par le couple Stepanov, dont la femme est une athlète, une coureuse russe, qui a rendu publique une conversation entre deux sportives russes qui parlaient de leur dopage ouvertement hein, en 2014 au sein de la Fédération d'athlétisme russe. Suite à ces révélations, le couple russe apparaît dans un documentaire de la chaîne allemande RDA, qui déclenche un raz-de-marée médiatique dans le milieu du sport, puisque d'après ce documentaire, 99% des athlètes russes sont dopés, tous scores confondus. Ça fait beaucoup. C'est un joli score, moi, je trouve. Ça mérite une médaille. S'ensuit une enquête de l'Agence mondiale antidopage en 2015 qui révèle un système de corruption massif organisé par l'État russe. Les tests de dopage sont falsifiés par le laboratoire antidopage russe, dont les dirigeants sont corrompus. Le directeur du laboratoire antidopage de Moscou, Grigory Rodchenkov, est directement visé par le rapport et est forcé de démissionner par le ministre des Sports. Et l'activité du laboratoire est immédiatement suspendue. Mais tout ça, ça se passe quelques mois avant les JO d'été de Rio en 2016. L'Agence mondiale antidopage décide de bannir la Fédération d'athlétisme russe de ces Jeux, mais laisse tous les autres sportifs concourir malgré les soupçons de dopage. En réaction au scandale, le gouvernement russe fait porter le chapeau sur les sportifs, déclarant que ce sont des actes individuels. Il en est de même pour les scientifiques incriminés, dont le directeur du laboratoire antidopage de Moscou. Donc notre cher Grigory Rodchenkov se trouve donc lâché par l'administration russe, mais il sait qu'il est une cible importante pour le Kremlin puisqu'il sait tout du système de dopage massif. Ensuite, on lui apprend qu'un agent du FSB, les services secrets russes, a pour ordre de l'éliminer et de maquiller sa mort en suicide. Ça va un peu loin pour... C'est encore un film. Ça va vraiment hyper loin. Ça va encore plus loin. Il se résigne alors à fuir la Russie pour les États-Unis pour sauver sa peau en laissant sa femme et toute sa famille sur place. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 2 mois après, le dirigeant de l'agence antidopage russe est retrouvé mort d'une crise cardiaque. De même pour le nouveau directeur du laboratoire antidopage de Moscou. Comme de par hasard. Ouais. Exactement, donc forcément beaucoup de personnes s'insurgent de ces morts, suspectes, et dénoncent des assassinats commandités par le Kremlin. Grigory Rodchenkov, qui s'était réfugié aux États-Unis, prend peur et décide en mai 2016 de livrer toutes ses informations à la justice américaine et au New York Times. Puis en juin 2017, il apparaît dans le documentaire Netflix, Icarus,
où il révèle également les affaires de dopage institutionnel. Il déclare que presque la moitié des athlètes russes étaient dopés lors des JO de Pékin en 2008 et de Londres en 2012. D'après lui, le système de dopage était commandité par le ministre des Sports, qui lui-même rendait des comptes à Vladimir Poutine, qui donc était forcément au courant. Il révèle également que pendant les JO de Sotchi en 2014, les services secrets russes s'occupaient de remplacer les échantillons d'urine des sportifs dopés par des échantillons d'urine prélevés avant le début du dopage. C'est bien wesh. Parce que c'est ce que je me demandais. Parce que tu parlais de la vérification dans les laboratoires, mais donc ça c'était avant, mais même pendant les JO, il y a des tests qui sont effectués antidopage, et donc ils changeaient. Même pendant les JO, s'il y a des contrôles aléatoires, ils se débrouillent pour. Il y a toujours des contrôles, mais en fait, normalement, les sportifs, quand ils se dopent, ils arrêtent de se doper pile au bon moment pour que quand les tests arrivent pour les JO, en fait, on ne voit pas les traces de dopage, sauf que là, le gouvernement russe a quand même voulu continuer à doper ses sportifs, et donc en fait, dans les JO. Il y a des contrôles antidopage d'urine. On a un flacon A et un flacon B, donc c'est la même chose dedans, la même urine. Okay. On teste le flacon A et si celui-ci est positif, on vérifie en testant le flacon B. Mais en fait, dans notre cas, tous les flacons A des athlètes russes sont négatifs parce qu'ils avaient été remplacés frauduleusement. Donc du coup, on n'a testé aucun flacon B. Mais en fait, l'Agence mondiale antidopage, quand elle a appris ce scandale de dopage, a vérifié les flacons B et en fait, ils étaient tous positifs. Non, ils ont tous été ouverts avant. Alors que normalement, ils avaient fait un système de bouchons qu'on est obligé de casser pour ouvrir. Et en fait, on a retrouvé sur tous des traces sur l'ouverture de rayures. Et on a découvert qu'en fait, avec des outils chirurgicaux, le FSB avait réussi à ouvrir les flacons et remplacer l'urine dedans. Oh là là. Donc en gros, là, les flacons A et B étaient tous... Oui, tous. Okay. Oui, ils ne s'étaient même pas fait que les A, ils avaient tout fait en pour être sûr. En fait, ils avaient fait dans le laboratoire de Sotchi, ils avaient fait un petit trou de souris. Et en fait, les agents du FSB se déguisaient en agents d'entretien. Et à chaque fois, la personne qui s'occupait du laboratoire, hop, discrètement donnait le flacon à l'agent du FSB derrière le mur. Et après, il le remplaçait 2 heures après. C'est abusé. Moi, ça me fait rire si c'est l'agent du KGB, pas du KGB, mais genre l'agent du FSB qui pissait dans le truc à la place de l'athlète, ça me fait beaucoup rire. Alors en fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, les athlètes, ils congelaient leurs urines avant de se doper. Pour et être sûr, oui, c'est vraiment mon urine. Ça correspond. Si c'est ton agent là, qui pisse alors que c'est une athlète féminine, ça va se voir tout de suite. Mmh. Donc, ça sera, moi, j'y connais rien en urine. Oui, mais je crois. Je connais rien en urine. T'imagines bien qu'il n'y a pas les mêmes hormones qui sont rejetées au niveau de l'urine. Il y a ton ADN dans l'urine. Je pense. C'est une bonne question. Je pense pas, mais c'est quand même des déchets qui sont dans ton corps. Donc en vrai. Puis ça se voit, je pense, c'est tous les flacons, la même urine. Ouais. C'est le même mec qui a pissé partout. Ouais, si c'est le même mec, ça va se voir tout de suite, je pense. Mais il n'y a pas de l'ADN dans l'urine. C'est une question. Je pense que c'est les déchets en fait que tu récupères. Mais t'as pas de déchets de cellules. Parce que c'est dans tes cellules qu'il y a de l'ADN. Mm. Mais tu. Ouais, mais en fait, par exemple, on va prendre un exemple très simple. Vas-y. Tu as un produit interdit, mais qui est autorisé médicalement, si tu veux. T'as des produits pour l'asthme par exemple dans le cyclisme, mais tu peux les trouver dans l'urine. Sauf que si ton mec, ton cycliste, il a pas le droit aux produits avec l'asthme, tu vois, faut pas qu'il se fasse choper. Donc tu le remplaces avec. Oui, je comprends. Et en fait, faut que tu contrôles l'agent pour qu'il soit sûr que c'est pas un médicament qu'il n'ait pas ingéré un médicament comme ça par hasard qui est interdit. Tu vois. Et après, il se fait cramer. T'imagines l'agent qui a pissé dans le pot. Pour remplacer l'urine, en fait, il fait de l'asthme, et donc lui aussi, il prend les trucs. C'est exactement ce qu'on considère à deux points. Mais c'est exactement ce cas de figure, en fait. C'est exactement ce cas de figure. On vient de me dire à la régie qu'il y avait un tout petit peu d'ADN dans l'urine, mais pas suffisamment pour pouvoir tester l'ADN. Okay. C'est pro là, ça devient pro, ça fait les petites recherches et tout. Let's go, en fait. Mais le but, c'est de voir si, en fait, t'as un produit qui est interdit, qui a été ingéré et qui est interdit par l'agence antidopage. La réaction du gouvernement russe a toujours été la même hein, tout le long du scandale. Continue à nier le système de dopage institutionnel. Et en 2020, le tribunal arbitral du sport a jugé cette affaire et a décidé que les athlètes russes se présenteraient sous bannière neutre pendant 2 ans. On retrouvera donc la Russie et son drapeau pour les JO de Paris en 2024. D'accord. Bon, après, peut-être qu'on aura d'ici là une autre affaire de dopage et que... On en a une en cours actuellement. Ah, ok. Oui, c'est la patineuse, ouais. C'est ça ? Camilla Valieva. D'accord, mais elle a quand même eu le droit de participer aux JO, non ? En fait, c'est un gros bordel. C'est compliqué parce qu'elle est mineure et notamment en dessous de 16 ans. Peut-être que d'ici là, la Russie n'aura pas le droit de participer aux JO, juste tout court, en fait. Tout sera tous morts d'ici là. Pour la patineuse, en plus, c'est un cas ultra particulier parce que le contrôle, il a été fait genre au niveau...
à peu près en décembre, juste, ouais, en Noël. Ouais, à Noël. Et le résultat, il arrive pendant les Jeux, quoi. Donc ça fait... forcément, les Russes, ils sont contents. Juste après un record du monde, en plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, les Russes, elle a battu son record du monde. Elle a fait un record du monde de quads, de... comment expliquer? En fait, elle a réalisé une figure. Ok, ouais, elle a fait une figure impressionnante. En fait, quand tu fais des sauts en patinage artistique, on compte le nombre de fois où tu tournes. Ouais. Sur toi-même, et elle a fait, elle a fait un gros axel. Un quadruple axel, c'est pas ça? C'est pas un axel. Okay. Non, ça, on n'en fait pas. D'accord. Je n'y connais rien. Elle a réussi à le faire plusieurs fois. J'adore le patinage artistique. On fait pas de triple axel? On fait pas des axels? Si, on fait des triple axels. Quadruple axel, on n'a pas encore fait. D'accord, ok. Ça tourne trop. Ouais, parce qu'un axel, on part. Mais un axel, on tourne en l'air. C'est ça? Un axel, tu tours en l'air, tu voles en l'air. Oui, mais il y a tous les sauts. Ah oui, c'est cool, c'est des sauts, oui, c'est vrai. Il y a une position particulière qui fait que c'est pas possible de tourner 4 fois. C'est ça. En fait, c'est ça. Un axel, on part. Quand on part, on. De dos, il me semble. Si c'est technique, on arrive de dos et du coup, on doit faire un demi-tour en plus. Ah oui. En fait, quand on fait un triple axel, on fait 3,5 tours. Let's go. Ok. Et du coup, un quadruple axel, ce serait 4,5 tours et ce serait impossible à faire pour l'instant. Ouais, pour revenir à Valieva, bon, le truc qui ressort pendant les Jeux, donc genre 4, je crois 8 semaines, un truc comme ça. En tout cas, il ressort assez tard. Et en fait, le truc, c'est que la Fédération russe avait protesté en disant que les délais étaient anormalement longs, déjà. Parce qu'en général, un test antidopage, en fait... C'est rapide. C'est plus rapide. Max, surtout c'est plus rapide, surtout. C'est plus rapide. Ils auraient eu tout le temps, en fait, de sortir l'info début février, soit avant les Jeux, en fait. Parce que là, ça a vraiment été sorti pendant les Jeux. Voilà, c'est ça qui a été souligné. Mais du coup, le CIO était dans une position inconfortable parce qu'elle avait déjà participé au début. Ouais. Et il y avait la question de est-ce qu'on la laisse participer après ou pas. Et c'est le TAS qui a tranché. Le TAS a dit bon, bah oui. Et au pire, on lui enlève sa médaille. C'est ça. Gros. C'est ça. Et on si jamais elle avait eu une médaille, il n'y aurait pas eu de podium. Ouais. Ouais, et en fait, et derrière, ben, elle a fait quatrième. Mais la pression était tellement forte que, en fait, c'était l'ultra favorite. À 15 ans. Elle a 15 ans, c'est l'ultra favorite. Et là, il y a une affaire de dopage qui lui tombe dessus. Et sous la pression, elle a craqué, elle a chuté plusieurs fois sur le programme libre et elle a fini quatrième. Et bah merci Léa pour ta chronique et on verra au prochain JO. Et on continue avec le Polytips de cette semaine. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Dans le Polytips aujourd'hui, je vais vous donner le conseil pour être le plus haut dans les sondages. Les coulisses de celui ou celle qui fait les plus hauts scores depuis chaque année, chaque nouvelle élection lui fait gagner des points. Parmi toutes les candidatures de chaque élection, présidentielle, législative, municipale, régionale, départementale, il ou elle rafle tout. Aujourd'hui, dans ce Polytips, pour gagner à tout prix l'élection, comme celui ou celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, on vous conseille ce petit programme en trois points. D'abord, ne surtout pas avoir de tête d'affiche de personnalisation pour faire le score le plus haut. Ensuite, ne participer à aucun débat, être très peu commenté dans les médias, ne pas être invité... Nulle part, rien, aucun programme également. Et je crois qu'il est temps de révéler ce qui arrive à faire des scores incroyablement hauts élection après élection, c'est l'abstention. Dans les 47 millions d'électeurs en France, l'abstention aux dernières élections régionales et départementales a atteint les 67%. Deux tiers des Français pouvant voter n'y sont pas allés. Alors, mal inscription sur les listes, désintérêt pour la politique, choix de boycott des scrutins, les raisons de l'abstention sont nombreuses. Face à ce qui est commenté comme une défaillance démocratique, un risque et un enjeu, tout en étant le facteur de la perte de légitimité des élus, qui sont élus par une proportion de la population de plus en plus faible, les réponses des exécutifs sont simples. On fait de la publicité pour le vote, on culpabilise les abstentionnistes. Alors, lorsque les candidats à la présidentielle de droite reprennent les thèmes et les idées de l'extrême droite, c'est l'abstention qui fait le jeu de cette extrême, c'est pas la droite. Lorsque les candidats de gauche partent à 6 sur la ligne de départ, c'est l'abstention qui est la cause des faibles intentions de vote à gauche, c'est pas les candidats. De ces personnes qui ne votent pas par dépit, par désintérêt, par difficulté administrative, par choix, par protestation, on leur met sur le dos
tous les malheurs de la démocratie, ses failles et ses problèmes. Elle n'en est pas la cause, elle en est un démonstrateur pourtant. L'abstention est le signe de ce problème démocratique. Et ce Politips, assez peu drôle, je voulais le finir par une citation d'un humoriste qui se revendique abstentionniste, Pierre-Emmanuel Barré, qui dit « C'est tous les 5 ans, tu vas blanchir un mec quelque sale, t'es plus un citoyen, t'es un PQ. » Eh ben, merci beaucoup et on passe tout de suite à la deuxième chronique, c'est la chronique de Matt. Et pour ta chronique, tu nous parles d'e-sport, donc forcément, attention à ne pas faire d'erreur parce que je vais être là à vérifier toutes les informations que tu nous dis. Bien sûr. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, mon cher Edouard, de faire du fact-checking en direct. Tout à fait. Cela dit, moi, je peux vraiment vérifier. Hein, oui. Du coup, franchement. Ouais, on voit que c'est Baptiste qui fait tout le boulot et Edouard, il va juste faire la présentation. Ça. Parce qu'on va parler Smash. Voilà. Quand on parle d'e-sport, je pense, en France en tout cas, on pense League of Legends, FIFA, Counter-Strike, Rocket League, peut-être même Fortnite. À l'époque où c'était vraiment à son plus haut. Minecraft. Pas en e-sport. On parle d'e-sport, on parle de compétition. Bah, je me disais peut-être que ça existait. Oui, ça existe en vrai, non ? Ça pourrait exister. Mais ça existe, il me semble, aux US. Ah bah, voilà. Avec Dream et tout, la clique. T'as des speedruns, t'as des trucs comme ça. C'est une forme d'e-sport, mais quand on parle du format compétitif, on ne parle pas forcément à Minecraft, si tu veux. Mais peut-être pensera-t-on Super Smash Bros. Dans un avenir proche, en tout cas en France. La licence de jeu de combat éditée par le géant Nintendo a droit à son propre circuit mondial, chapeauté par la société américaine VG Bootcamp, qui est le diffuseur attitré des tournois de Smash aux États-Unis. Là, on parle quand même de $250,000 en cash price. Voilà. Donc le prix à gagner. Non, c'est un peu particulier quand on parle de cash price, c'est-à-dire l'argent qui sera distribué aux meilleurs, on va dire ça comme ça. Ok. Au total. AUX meilleur. Ouais, au meilleur AUX, le vainqueur il gagne $40,000. Ok, d'accord. C'est l'argent qui est donné au total. C'est le top 8, non ? Enfin, en général, c'est ça ? Ouais, mais c'est un peu particulier. Alors, je vais vous expliquer un peu le format. Mais en général, oui, dans les compétitions Smash, c'est le top 8. Là, ce sera les 32 qui participeront aux phases finales. Aux phases finales. Et il faut savoir que ces $250,000, c'est le cash prize le plus important dans un tournoi Smash. D'accord. Le record, c'est un peu plus de 150 000 pour les Smash Summit, qui sont des invitationnels, donc c'est un format assez particulier. Alors le format, il est assez simple. Pendant 9 mois, il est simple à expliquer, pour l'instant. Pendant 9 mois, il faudra accumuler les performances et les points dans des tournois organisés en Europe, au Japon, aux États-Unis, mais aussi à Doha, au Brésil ou à Cuba. Bref, plus ou moins dans le monde entier. Et les joueurs qui en auront accumulé le plus se qualifieront pour les phases finales qui sont prévues début décembre. Il y aura différentes catégories de tournois, évidemment. Plus le tournoi est gros et important, plus il y aura, plus il y aura de points à distribuer. Donc on a catégorie platine, catégorie or, et ensuite, il y a des tournois spécifiques qui sont catégorie platine et catégorie or. Et ensuite, il y a la catégorie argent, et là, par contre, c'est des plus petits tournois ou d'autres tournois qui peuvent s'ajouter au fur et à mesure. Il y aura moins de points à distribuer, mais eux, en fait, au fur et à mesure que les tournois s'organisent, s'annoncent aussi, parce que les tournois de septembre, ils ne sont pas forcément déjà annoncés. Selon l'importance, ils pourront intégrer les catégories argent, notamment. Okay. Donc il y a différentes strates au niveau argent, mais du coup, ça permettra d'avoir des petits tournois qui donneront des points également, et donc ça donnera la chance un peu à ceux qui n'auront pas de gros tournois dans leur région, en fait, d'accumuler des points. Ok. À l'origine, le tournoi devait être lancé pour l'année 2020, mais vous savez qu'en 2020, il y a ce qu'on appelle la pandémie qui s'est lancée. Quoi ? Ouais. De quoi tu parles, mec ? Je ne sais pas. Ah, c'est... J'ai pas suivi. Mais si, ça existe, mon cher. Ça s'appelle Covid. Voilà. Je connais pas. Ah, dommage. Mais c'est dommage, mon cher, parce que le Covid-19, il a provoqué plein de problèmes. Déjà, évidemment, l'annulation pure et simple du circuit, parce que normalement, c'est un circuit de tournoi offline, donc en présentiel, où tout le monde doit se regrouper, évidemment, avec un virus qui traîne, qui est contagieux et qui tue les gens, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et donc, du coup, ils ont dû faire avec, du coup, ils ont dû annuler tout simplement le projet en 2020. En 2021, ils ont pu lancer leur première édition, mais avec beaucoup de changements, en fait. Déjà, les qualifications se faisaient en ligne. Et le jeu, malheureusement, est pas très connu justement pour son netcode. Il est même plutôt connu pour son mauvais mode online avec des déconnexions. Mais voilà.
Et du coup, ça fait que c'est assez particulier. Il y a eu... Donc, on a parlé de qualification en ligne. Il y a quand même une partie offline, donc avec des tournois en LAN, en présentiel. Mais avec le Covid, qui avait, avec les différentes vagues de Covid, il y a eu des forfaits, il y a eu des annulations, il y a eu des reports. Et donc, c'était un peu perturbé. Au final, ils ont quand même réussi à faire les phases finales, mais très, très tard dans l'année. Donc, vraiment, genre le week-end avant Noël, voilà, pour dire. Mais... Voilà, c'était une édition, une première édition de Smash World Tour assez particulière. Alors Smash World Tour, c'est le nom du circuit mondial. Et cette année, du coup, enfin, ils auront le Smash World Tour comme il a été imaginé, c'est-à-dire le circuit de tournoi avec tout le monde en présentiel dans le monde entier, qui pourrait donc regrouper un petit peu toutes les communautés et permettre à, finalement aux différentes régions de se montrer. C'est une excellente nouvelle du coup pour la communauté Smash, pour sa scène compétitive. Il y a enfin un petit circuit, un petit truc pour s'exciter dans le monde entier. Sachant que traditionnellement, Smash Bros, il n'a jamais eu le soutien de l'éditeur Nintendo. D'ailleurs, même Nintendo, ça a plutôt tendance à mettre des bâtons dans les roues du coup à la scène. C'est un peu leur bébé. Mais du coup, ils sont très à cheval, ils sont très soucieux de l'image, très familiale. Du coup, il vaut mieux pas que la scène monte, sinon le jeu, est-ce qu'il va garder cette image familiale, tu vois? Ouais. Plus un jeu de salon pour jouer avec ses... En fait, il est vu comme un jeu pour jouer avec les copains et la famille. Ouais. Et pas un jeu de compétition. Ouais, c'est ce que veut Nintendo, en tout cas. Ouais. C'est ce que veut Nintendo, qui garde cette image-là. Et donc, du coup, c'est une excellente nouvelle. On espère déjà que Nintendo ne mettra pas de bâtons dans les roues. Et vu d'Europe, vu même de France, c'est une excellente nouvelle parce que ça permettra en fait de faire la scène Smash Bros. Sa scène compétitive Smash Bros. C'est une scène qui est en plein développement, qui est en pleine croissance et qui attire de plus en plus en fait. En France, là, il est apparu pour la première fois par exemple dans le baromètre e-sport de l'association France e-sport. Et la scène compétitive elle commence à monter. Les événements deviennent de plus en plus gros à l'image du temple, qui était un événement en septembre dernier, qui avait accueilli plus de 800 participants. En France ? Ouais, en France, à Lille, au stade Pierre Mauroy. Le stade de France, par exemple, qui veut accueillir des événements e-sport. Et stade de France, c'est quand même un temple d'événementiel en France. Le stade de France, il joue sur la pelouse ? Bah, il pourrait. Au stade Pierre Mauroy, c'était sur la pelouse ? À Pierre Mauroy, il faisait au bord du terrain. Okay. Donc les joueurs étaient sur la pelouse, et puis on utilise les tribunes, forcément, pour les spectateurs. C'est intéressant. Ouais. Et la France. Et en France, du coup, c'est très très bien vu parce que déjà la France, c'est le chef de file de la scène européenne. Et, on est meilleur en e-sport On est meilleur en Smash. Ce sport-là précisément. Oui, oui. Okay. Cet e-sport-là. Et au niveau international, on est bon ou pas on a un bon joueur. Alors, le truc, c'est que justement, la scène européenne a toujours été vue comme la petite sœur de la scène américaine et la scène japonaise. On est moins bien considéré. En Europe, la scène européenne est moins bien considérée. On est moins fort aussi, mec. Enfin, ouais, c'est vrai. On est moins considéré parce qu'on est moins fort. Oui, aussi. Mais le truc, c'est qu'on a eu un développement un peu moins important du coup que ce qui s'est fait notamment aux États-Unis, parce qu'au Japon, c'est un peu différent. Et ça fait que, en fait, dans le top mondial, il n'y a qu'un seul candidat sérieux au top mondial. C'est, français. Oui, il est français déjà. C'est William Belaïde, qui est plus communément appelé Glutoni. Allez, Glutoni. Ouais, allez, Gluto. Il a ses chances. Ouais, il a ses chances. Pour l'instant, il a pas gagné de gros tournois, mais c'est la chance la plus sérieuse européenne, en tout cas, pour remporter un gros tournoi américain ou même européen, de manière générale. Et c'est très bien vu parce que ça donnera plus de visibilité, ça attirera plus aussi. Si le truc est labellisé circuit mondial, les Américains, les meilleurs joueurs mondiaux, ils vont venir. Et surtout que la France, déjà, a prévu au moins 3 événements, à 3 petits événements pour gagner des points, c'est ça? J'ai pas suivi. Là, t'es pas encore là. Mais en France, il y aura au moins 3 gros événements du coup qui feront partie du coup des catégories platine du tournoi. Alors, c'est pas des petits événements du coup. Mais je veux dire, c'est avant la grosse phase finale, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est les pré-phase finale. Ouais, les pré-phase finale. Mais souvent, c'est des tournois qui sont un peu plus gros quand même que les phases finales, mine de rien, parce que phase finale, c'est seulement 32 participants. Ouais, mais c'est le must. Ouais, c'est le must, mais il faut déjà faire les gros tournois à 1000 personnes. Il faut déjà gagner le gros tournoi à 1000 personnes pour pouvoir faire les 32 participants. Et justement, la France accueillera au moins 3 gros événements du coup du circuit mondial. Et le prochain sur la liste, celui qui devrait être le plus gros événement européen cette année, c'est le Colossal qui arrive
en début juillet. On sait que le numéro 1 mondial MKLeo viendra. On sait que toute la scène européenne attend avec grande impatience du coup ce tournoi, c'est déjà inscrit. Et donc ce serait l'occasion de voir l'Europe briller et du coup d'envoyer finalement, de montrer au monde quelque part que l'Europe c'est sérieux et que... On peut s'inscrire ? Oui, on peut s'inscrire. Tu peux commencer ton training dès maintenant, Edouard. Tu peux t'inscrire dès maintenant. Comme là, ça, là. Ouais, là, comme ça. Tu payes. Alors, il y a des frais d'entrée, pas déconner. Ah, ok. C'est 40 balles. Mais moi, j'ai pas la Switch, donc ça va être compliqué. Mais tu peux participer, c'est pas un problème. T'as tes chances. Ah, sans la Switch, ça va être quand même complexe. Non, mais je veux dire, le prince. Non, mais... Et alors, juste une question, c'est peut-être bête. Tu parlais de prix, de cash price à la fin pour les gagnants. C'est qui finance tout ça? Alors, les sponsors. D'accord. En fait, l'écosystème économique fait que, comme c'est pas Nintendo qui file l'argent, parce qu'il n'est pas impliqué. Ils ont aucun lien avec ça. Oui, en fait, Nintendo, ils touchent pas. Ouais. Ils touchent pas, parce qu'ils veulent pas, de toute façon. Ils s'en éloignent même, plus que tu vois. Voilà. Donc, ils touchent pas. C'est une compétition que Nintendo n'a pas de lien avec Nintendo, à part le jeu, en fait. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est des sponsors qui viennent, qui mettent de l'argent, ou alors c'est l'argent accumulé par les organisateurs du coup VG Bootcamp, ou ça peut être les dotations sur certains tournois qui récupèrent et puis en fait ils redistribuent au genre. Mais d'une manière générale, ce seront surtout les sponsors en fait qui vont filer les sous. Et peut-être après, ça, je pense qu'ils ont d'autres moyens de se financer, genre du merchandising par exemple. Les merchandises Smash Tour, peut-être que les tournois pour faire partie du Smash Tour vont devoir payer un petit peu, notamment les gros tournois platine et or. Mais voilà, c'est surtout les sponsors. Twitch est impliqué par exemple, MetaFi, tous les sponsors n'ont pas été dévoilés non plus, et peut-être que justement ces sponsors, c'est plutôt des revenus qui sont venus d'autres tournois. Mais c'est comme ça que c'est potentiellement comme ça que a été financé finalement le cash prize. Eh ben, merci beaucoup Matt pour cette chronique e-sport. On a encore appris plein de trucs. Et allez Gluttonie, bien entendu. Oui, allez Gluttonie, tout à fait. Et on finit évidemment avec le maxi quiz qui a été préparé par Baptiste. Yes. Ah non, il faut le jingle. Ouais. On envoie le jingle. Le maxi quiz, vous êtes chaud ? Vous connaissez le principe, je rappelle rapidement les règles, 5 points à offrir, 3 questions simples, une estimation, un tour de table. Et 3 candidats aujourd'hui, Edouard, Léa et Matt. On est parti, c'est bon ? Ah bon, on est chaud comme la braise. Ok, let's go. La première question, une question politique. En vrai, Edouard, let's go, c'est ton moment. Je sais que t'es chaud sur ce genre de questions, c'est ton moment. Quel candidat à l'élection présidentielle a récemment été convoqué par la police pour injure publique envers une administration publique ? Édouard ? Ouais. Ce serait pas du Jean-Luc Mélenchon ? Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ah. Léa ? Oui, Léa. La Salle ? Ce n'est pas La Salle. C'est bien son style. Est-ce qu'on est à plus ou moins de 5% ? Je vous donne pas cet indice-là. C'est pas dit. Les gars, injure publique envers une administration publique. Matt, t'as pas une idée, ils ont donné tous les deux une réponse. Ouais, je sais la même. Matt. Ouais, dis-moi. On va tenter Eric. Eric Zemmour ? Ouais. Non. Dommage. Souvent. C'était trop évident. Bah, moi, je vais tenter. Léa. Ouais, Léa. Poutou ? Bon, ouais. C'est Philippe Poutou, absolument. Donc, oui, le 7 mars, il a été. Il a diffusé un communiqué donc avec le nouveau parti anticapitaliste qui a diffusé un communiqué expliquant que Philippe Poutou avait donc été convoqué par la police en sa qualité de suspect dans le cadre d'une enquête pour injure publique envers une administration publique. C'est Darmanin qui avait porté plainte contre lui le 13 octobre en raison de ses propos tenus sur France Info. Il avait parlé de violences policières, il avait dit, je cite, « Évidemment, la police tue, il y a des violences policières, etc. etc. » Donc ça n'a pas plu à Darmanin. Bon, d'accord, voilà, pourquoi pas. Et donc Léa qui marque un point sur cette première question, bravo à toi. Donc Philippe Poutou, question simple numéro 2, on enchaîne tout de suite, une petite question Ukraine. Hein. Bon, désolé, on pouvait pas quand même passer à côté, il y a tellement de trucs sur ça, c'est tellement un sujet riche par plusieurs aspects. Quelle est la religion principale en Ukraine ? Matt. Edouard. Matt a été rapide. Hein. C'est chrétien orthodoxe. Absolument. Bravo à toi, le christianisme orthodoxe a environ 65%.
en Ukraine. Je vous chope cette petite info parce que, tout simplement, enfin cette question du moins, grâce à cette info, le fait que l'église orthodoxe ait organisé de nombreuses messes partout dans le pays, malgré la guerre, ce dimanche. Notamment une messe à Kiev tenue en personne par le patriarche Epiphane ukrainien, qui est donc en gros le chef de l'église orthodoxe en Ukraine, tout simplement. Okay. Voilà. Et donc, bien sûr, symboliquement, c'est pour faire face à la guerre, etc. etc. Donc, des énormes messes qui ont été organisées un peu partout. Donc oui, le christianisme orthodoxe, Matt qui marque un point. Je l'avais aussi. Ouais, moi aussi. Je pense que tout le monde l'avait, c'était vraiment une question de vitesse. Mais bien joué à toi. On va passer à l'estimation. Pour notre estimation, on va faire ça très simplement pour l'ordre. On va commencer par Léa qui a ouvert le score, suivi de Matt qui l'a suivi de près. Et Edouard qui ne va pas tarder à l'ouvrir. Absolument. En vrai, let's go. Hein. La petite égalité, là, ça me régalerait. Mon estimation, c'est la suivante. Quel est le pourcentage qu'occupe la question de l'écologie dans les débats présidentiels de la semaine dernière, à savoir du 2 au 8 mars? Selon on peut se dire le même chiffre que les selon le, selon, messieurs, dames, je donne ma source, selon le baromètre climat de l'affaire du siècle. Ah, tout à fait, j'ai vu ça passer. Donc on est sur la semaine dernière, du 2 au 8 mars, j'attends un pourcentage. Donc je rappelle, hein, le pourcentage qu'occupe la question de l'écologie dans les débats présidentiels. Léa. Ça peut pas être plus 1,5%. De 100%. 1,5% pour Léa. Ce n'est pas beaucoup. Ce qui est peu quand même. Matt. 1,8% pour Matt. Eh bien, Edouard, avec son intelligence légendaire, veut dire 1,9. Comme ça, je prends tout ce qu'il y a au-dessus. 1,9%. Bien, ouais. C'est stratégique. Mais je suis trop. Il y a quelqu'un qui est très très chaud. On a un toupil, messieurs dames. Le toupil, ça arrive pas souvent. Moi, et c'est moi. Deux points le toupil, vous le savez. Non, c'est pas deux points alors. Si, là. Ça a toujours été deux points. On s'arrête. Si, à la base, à l'ancienne, non. Maxime, qu'on embrasse. Maxime, ça va? Si tu écoutes le podcast, sache que tu nous manques à tous et qu'on t'embrasse. Avant c'était 2 points, après là vous êtes 3, je sais pas. Si c'est 2 points. En tout cas, c'est une masterclass. Moi je m'oppose aux 2 points. Le tout pile est réalisé donc, Edouard, Matt, Léa. 1,5% par Léa, bien wesh. Bien joué, c'est 1,5%, donc on est sur très très bas quand même. Hein. C'est, voilà, donc le tout pile, je te donne un point de plus, Léa. Alors, en même temps, moi j'étais en tournoi quand il y avait le débat du siècle, moi, donc je pouvais pas regarder. Oui, non, mais moi j'ai eu l'info sans avoir vu le débat. Donc, oui, le débat du siècle hein, qui est donc. Suisse de merde. J'aurais dit beaucoup plus. Ah ouais? Oui, mais j'avais pas les chiffres, mais bon, vu que vous aviez appris ça aussi. Non, 1,5%. Après, c'est que sur une semaine, mais je trouve que c'est assez représentatif de l'importance clairement. Du truc. Et donc, oui, ce chiffre a notamment été relayé à l'occasion du débat du siècle qui a été une émission diffusée sur Twitch dimanche. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et organisé par l'association écologiste, l'affaire du siècle. Et voilà, donc des candidats à l'élection présidentielle, pas tous, mais certains, ont répondu aux questions concernant l'écologie du streamer Jean Massier. Ne pas confondre avec Jean Messia. Ce sont deux personnes totalement différentes. Personnellement, j'ai confondu au début, j'étais là, quoi, Jean Massier sur Twitch, quand même Jean Messia sur Twitch, quoi. Bon, bref. Jean Massier, donc. Respecte et Léa, énorme masterclass de la part de Léa, bravo. Elle nous sort toujours des masterclass. Hein. Toujours, toujours, généralement, ouais, toujours. La question simple numéro 3, c'est la suivante. On enchaîne, hein. On enchaîne. Quelle est la spécialité de ce groupe connu sous le nom de... Je vais pas vous dire ce que fait ce groupe, parce que sinon ce serait trop facile, mais donc un groupe quoi? À vous de le trouver, pour trouver sa spécialité. Le groupe Lapsus, avec S et un deuxième S en dollar, genre. Ça s'écrit Lapsus, S et signe dollar. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La question est très complexe. La spécialité de ce groupe, qu'est-ce qu'ils font de très très bien? C'est pas une spécialité culinaire. C'est pas une spécialité culinaire. C'est pas un groupe de musique non plus. Ce n'est pas un groupe de musique. Lapsus, il y a un dollar. Ça n'a pas de rapport avec l'argent, mais je veux dire qu'ils utilisent des caractères un peu spéciaux. Ah, y a c'est un truc des informaticiens. De... Peut-être, ouais, peut-être. Je sais pas. Ah bah. Quelle est la particularité de ce groupe? Quelle est leur spécialité? Est-ce qu'on peut savoir... C'est des traders? Dans quel domaine ils sont actifs? Sur le net? Sur la télévision? Bah, sur peut-être essayer de faire des propositions, parce que je vous ai déjà donné pas mal d'indices. Est-ce que je pourrais avoir une petite propale? Ouais, tout à fait. Edouard, t'as un truc? Ouais, je le sens. Leur spécialité, c'est? C'est le hacktivisme. L'activisme? Ouais. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais si le hack... Activisme. Hack... Isaac, des hackers. Alors, on a bien sûr des hackers, mais je veux savoir la spécialité de ces hackers. Comment j'ai tellement tout le monde. Et bah, ils font des deepfakes. Non, ils ne font pas des deepfakes, mais c'est stylé comme idée. Bien joué. Ouais, ouais. Ils créent des faux discours. Ils ne créent pas des faux discours.
Non, beaucoup plus simple. Ils sont spécialisés dans le... Dans le hacking. Eh bah oui. Est-ce qu'ils hackent des choses en spécifiquement? Ouais. Des sites de gouvernement? Non. Dans la politique? Non plus. C'est un peu moins large. Plus précis quand même. Ouais, je m'attendais pas à dans que le communisme. C'est un rapport avec le politique? Non, ça n'a pas de rapport. Ouais. Wall Street? Je sais pas. Dans Wall Street, non. Mais ta question est hyper large, ouais, donc on peut clair. Je sais pas, ça me paraissait évident, mais... tu peux nous redonner le nom? Tu viens de dire lapsus. Tu viens de dire qu'il y a dollar dans son nom. Lapsus. Tu viens de dire non, que ça n'a pas de rapport avec l'argent. Rapport avec c'est l'argent. Pas rapport avec l'argent. En fait, c'est un truc très simple. Bah, dans les lapsus. Léa a une idée, non? Non, je suis dans les NFT, dans les trucs comme ça. Non. Dans les mots? Dans le vocabulaire? Dans le... Dans le français? C'est un truc je vais vous la donner parce dans que la personne grammaire. Là ça devient cringe en fait. Est-ce que je vous la donne en vrai personne? Est-ce qu'on est proche? Non, vous êtes. En fait, c'est bizarre, vous êtes pas dans le même type de d'objet que j'attends. Tu vois bah, ce que je veux aide-nous dire. À trouver l'objet. Non, parce que si je le. Genre. Bah, je le dis, je sera au plus rapide. Non, mais si on est nul, on est nul. Ouais, tu crames. Non, ouais, j'ai ouais, pas envie d'être nul. Pis, tant pis, je suis désolé, mais je vais vous donner la réponse. Ils sont spécialisés dans le vol de données, tout simplement. Dans le vol de données. Nous, on cherche des gens gentils. Des hackers. C'était presque des ça. Des hackers spécialisés dans le vol de données. Donc il s'agit d'un groupe de hackers potentiellement basé en Amérique du Nord. On n'en sait rien, mais voilà. J'étais le plus proche de la réponse. C'est une spécialité, vous allez me dire, tous les hackers volent des données. Pas du tout, parce que la plupart des groupes de hackers pratiquent ce qu'on appelle l'extorsion de données. C'est-à-dire, ils volent des données pour ensuite les crypter et gagner de l'argent via ces données grâce à des rançons logicielles. C'est-à-dire, en gros, ils te font du chantage pour que tu récupères tes données, tu dois payer. Eux ne font pas ça, ils se contentent de voler des données jugées entre guillemets les plus confidentielles pour éventuellement les publier plus tard et révéler des choses sur des grosses entreprises notamment liées à à la technologie et tout ça. Donc il y a un truc donc de quand même un peu du activisme. Voilà, ils visent des grosses boîtes et le groupe a revendiqué beaucoup d'attaques de cyberattaques ces dernières semaines, un certain nombre contre plusieurs entreprises, grandes entreprises de la technologie, et ils auraient très récemment attaqué Ubisoft qui est donc une des jeux vidéo. Une boîte de jeux vidéo exactement. Bon, c'est pas encore sûr, mais il y a des choses, il y a notamment un message sur Twitter qui a été publié par un des membres présumés du groupe avec un petit emoji, vous savez, l'emoji suspicieux qui fait genre. En mode. Non, vous voyez cet emoji? Non, je pense mais que... trois. Comment. Bon, je vais pas vous décrire l'emoji pendant des heures, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, lapsus, un groupe de hackers spécialisé dans le vol de données. Je mérite clairement le point, j'étais le plus proche de tous. Mais est-ce que tu as eu la bonne réponse? J'ai dit activisme, j'ai dit hacker, je vous ai envoyé partout. Est-ce que tu as eu la bonne réponse? Est-ce que tu as eu vol de données? C'est vrai qu'après je pourrais... Est-ce que je l'ai pas... je pourrais lui donner le point. Attends, non, mais moi je le dis très précisément. Est-ce qu'il a dit vol de données? Et ben moi je dis précisément, est-ce que j'étais pas tout proche du truc en disant activisme, hacker... C'est très large, activisme. Il refuse c'est comme si on avait point. Dit vol. Non, c'est mort, Edouard, il n'y a pas de point, je suis navré. On va continuer avec le tour de table, le moment où chacun peut briller, le moment où chacun peut défendre son honneur, vous le savez. Le tour de table ce jour-ci, putain je galère à parler, c'est terrible. Le tour de table d'aujourd'hui, c'est un tour de table cinéma, vous allez encore pleurer, mais vous avez tous vos sens, j'en suis sûr, car vous avez tous eu une enfance. Le tour de table d'aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du dernier Pixar, Alerte Rouge, que vous avez peut-être vu. Vous l'avez non. vu? Vous l'avez pas vu? Bah okay. non. Je veux tout simplement les longs métrages Pixar. Tout oh. simplement. Pas les longs métrages Disney, les longs métrages Pixar. Oh, par exemple, Le Roi Lion, je vous le donne. Le Roi Lion, c'est pas Pixar, c'est Disney, c'est un classique. Je veux pas non plus des courts métrages. Bao, c'est un court métrage Pixar. Si tu trouves Bao, t'es un petit cinéphile, c'est super. Ouais, l'Oscar du court métrage, je sais pas quoi, c'est pas ce que je veux un long métrage Pixar. Oh, c'est compliqué parce qu'il y a DreamWorks aussi qui est dans le coin et moi je sais pas tout. Aïe aïe aïe, il va pas falloir. Je vais être très nul, je suis même pas sûr d'avoir le premier. Je vous le dis, j'offre un petit joker à chacun d'entre vous. Si vous me sortez un Disney classique, vous avez une chance, je vous dis bon les gars, c'est un Disney classique, arrête tes conneries. Tu retentes et on part sur un Pixar. Par contre, DreamWorks, c'est chaud. Si vous me sortez Shrek, les gars, ouais, bon, je vous l'ai offert, mais c'est honteux quand même. C'est pas Shrek. Shrek n'est pas Pixar, hein, voilà. Donc on va pouvoir commencer. On garde le même ordre, hein. Léa qui mène la danse avec 8 les points. Nuls. Ceux qui ont le moins de points. C'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est Baptiste qui décide, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est pas mal. On a le droit d'influencer. Non, mais en vrai, Pixar, Good Vibe et tout, on va faire ça. On va faire dans l'autre sens. On va commencer par Edouard qui est en train de se lamenter avec 0 points. Matt qui possède un point. Et Léa avec ses 1014 points. 1014, pourquoi? Je ne sais pas. Mais elle en a beaucoup. Beaucoup plus que vous tous, en tout cas, grâce à son tout pile. Elle a gagné 5 points d'un coup. Donc elle partira en 3ème. Est-ce que tu peux me donner un film, un long métrage Pixar, Edouard? Je le peux. Toy Story. Absolument. 1.
Oui, j'accepte les suites. Hein, donc, voilà. Toy Story 2, du coup. Toy Story 1 pour Edouard. Pardon, Matt. Toy Story 2, bien sûr. Toy Story 3. Attendez, allez pas trop vite, les gars, mais oui, bien sûr, Toy Story 3. Allez, on continue, donc Toy Story 3, bien sûr, Léa, Edouard. Je conclue, Toy Story 4. Ouais, oh, ça va pas aller à l'infini non plus, je vous le dis, mais oui, Toy Story 4. Matt. Mille et une pattes, c'est Pixar, ça me va. Sachez qu'il y en a 25, là. Donc, il en reste pas 25, mais en tout, il y en avait 25. Ok. Est-ce que Monstres et Compagnie est un Pixar ? Absolument. Monstres et Compagnie est un Pixar, le meilleur de tous, si je puis me permettre. Oui. Edouard. Monstres Academy. Mais let's go, en fait. Oh, la bien ouais, hein. C'est vrai que c'est cadeau, après. Monstres Academy, Matt. Là-haut. Le classique. C'est vrai. Ouais, classico. Ça devient dur, là. J'en ai plus. Léa. Si t'en as plein. Il y en a plein, et c'est je, ça. Je déteste les films d'animation, il faut le savoir. Sérieux ? Ah, c'est vrai ? Ah, je n'aime pas vraiment ça, donc... Okay. Là, j'en ai regardé que deux dans tout ce qu'on a cité. D'accord. Mais tu les connais pas du tout. Ah oui, celui qui vient de sortir. Il y avait une couleur. Ouais, il y avait une couleur. Faut pas tout donner, hein. Non, mais c'est pas grave. Après, Léa, t'as vraiment problème, c'est qu'il est 12 milliards de points, donc... Tu peux lécher, hein. Ouais, non. Tu lâches ? Ah bah, je... Tu sais, c'est moi. D'habitude, c'est moi qui encourage. C'est nul, tente un truc et si c'est claqué, je te dis. Mais c'est j'ai marrant. Vraiment pas de nom de film qui me revient en tête. Ok. Même pas un Disney, même pas un DreamWorks pour nous faire plaisir. Même pas un film tout court. Titanic, je ne sais pas. Avatar. T'en as deux. Bon, allez, Léa, je suis désolé, mais. Le truc Transylvanie, là, c'est du Pixar. Hôtel Transylvanie, ce n'est pas Pixar. Navré, mais l'aventure s'arrête. Ici, c'est un duel qui oppose Edouard et Matt. Edouard, un film Pixar, s'il te plaît. Je réfléchis, mais c'est super dur. Mais non, il y en a des classiques. Mais oui, il y en a plein, gars. Évidemment, qu'on regardait quand on était petit. Mais pas que, en fait, c'est des classicos. Réfléchis. Mais on manque des trucs, et ça m'énerve encore plus de pas que je m'en rappelle pas, alors qu'il y en a seulement que j'adore, et que... Tente un truc, je t'ai dit que t'avais droit à un Joker, si tu me sortais un Disney classique. Bon, Encanto. Ouais. Encanto est un Disney classique, c'est voilà, le Joker ça. A été utilisé. Encanto n'est pas... Fou, là, c'est tendu. Aïe. Ah, je me le tente ou pas ? Allez, Edouard. Les Indestructibles. Bien sûr, Les Indestructibles, c'est Pixar. Nemo. C'est vrai. C'est Pixar. Le Monde de Dory. Bah, Dory, quoi. Le Monde de Dory, t'as le titre. Voilà, c'est le Masterclass, t'as le titre. Nemo, Le Monde de Dory, on est bon. Alerte Rouge, le dernier. Alerte Rouge. Je sais pas ce que c'est. C'est le tout dernier qui vient de sortir sur Disney+. Mais il vient de dire qu'il a cité au début. Hein. Ah oui, mais j'ai pas écouté. Les Indestructibles 2. Les Indestructibles 2. Ah, j'aurais dû le cramer sur. Ouais, bien entendu, Les Indestructibles 2. Matt, les gars, il reste encore des classiques. Hein. Mais ouais, c'est ça qui énerve. Tu vois, Les Indestructibles, c'était évident et pourtant, c'est... Oh, il s'appelle comment celui-là ? J'en ai un dans la tête. Et... Il est nul en plus, mais... En fait, c'est les Disney où il n'y a pas de musique. Il y a vraiment de la musique. Indestructible, il y a de la très bonne musique. Il y a de la très très bonne musique dans presque chaque Pixar. Où ils chantent pas. Ouais, c'est vrai, d'accord. C'est Disney où il n'y a pas de chanteur. Forcément. Ok, mais il y a aussi des Disney où ils chantent, pas. Donc, Oui. Oui, non mais oui. Oh non. Est-ce qu'il sort au cinéma ou pas ? Non, je prends tous les longs métrages Pixar, Disney+. C'est Luca ? Luca est un long métrage Pixar. C'est pas Disney ça. Si, c'est Pixar. Pixar. C'est pas que Disney, je pensais que c'était que Disney. C'est sur uniquement sur Disney+. Ah, bah il y a le... J'en ai un avec un... Comment ça s'appelle l'animal ? Un Diplodocus. Ouais, tu l'as. Comment ça s'appelle ? Ah, ça m'énerve. Putain, en plus, c'est pas un des classiques. Hein. Mais non, c'est pas un classique. Mais c'est un peu comme Luca, c'est la même idée. Ouais. C'est un prénom ? Il y a un... Non, c'est... Non. Il y a plusieurs mots, c'est un peu... Ah, ça me détruit parce que là, je vois le petit garçon. Change, pars sur plus classique. Ouais, mais plus classique, je vois pas. Vas-y, Edouard, je te fais un décompte de 10. Ah, mais c'est... Ah, 10, 9. Peter Pan. J'en sais rien. J'ai dit Peter Pan. Oh, la dinguerie. Je sais pas, j'ai balancé ça comme ça. Ça m'est venu comme il ça. Il a paniqué. Si vous avez vu la tête d'Edouard, chers je auditeurs. Je sais pas du tout si c'est ça. Chers auditeurs, il vient de se passer un truc. Il m'a dit Peter Pan comme si c'était la fin de sa vie. Peter Pan, c'est Disney. Peter Pan, c'est un des plus gros classiques Disney. C'était avant même que Pixar soit connu, je pense, en vrai, non ? Ouais. Peter Pan, c'est vieux, Peter Pan. Donc non, Peter Pan, je suis d'accord. Ce que tu cherchais, bon, je te le donnerai après parce que j'aimerais que Matt conclue... Le monde de Ralph. Ah, non,
Non, mais non, c'est DreamWorks, je crois, les mondes de Ralph. Ouais, t'as fait vrai. L'erreur sur le dernier. T'en as pas un autre pour essayer de conclure on va essayer. On va valider le point. Ah non, c'est DreamWorks aussi. Ah, je sais attends. Je crois que j'en ai un. Ah, bah oui, mais c'est ça. C'est ça que tu dis. Oh, et en plus, vraiment, ça m'énerve parce que je l'adore. Laissez conclure le gagnant de ce tour de table, Matt, s'il vous plaît. Ouais, mais là, je commence à avoir des DreamWorks dans la tête. Ouais, bon. Tu m'as été de gagner. Après, t'as dit le monde de Ralph, c'était l'erreur à ne pas faire, voilà. Bon, après, monde de Ralph, il est pas si connu, ça va. Ça va, je vais essayer. C'est affreux parce que vraiment, il y a d'autres trucs. Bon. Allez, Matt, si t'en as pas, c'est pas grave. Mais non, je sais plus du tout. Ok. J'aurais tenté. Bah, en fait, j'avais idée Cars, mais Cars, c'est DreamWorks. Mais non! Mais bien sûr que non, Cars! Cars, c'est Pixar! Cars 2, c'est Pixar! Cars 3, c'est Pixar! Ah ouais, bah s'il avait dit le premier, j'aurais dit le 2 et le 3. Non, t'aurais dit le 2 et moi j'aurais dit le 3. Ouais, c'est ça. Cars, c'est Pixar! Ah, Cars, c'est Pixar! Voilà, comme d'accord. Ratatouille, c'est Pixar! Oh. Wall-E, c'est Pixar! Oh, Coco, c'est Pixar! Non, c'est pas possible! Alors ça, je l'avais dans ma tête! Rebelle, c'est Pixar! Rebelle, c'est Pixar! Le voyage d'Arlo! Le voyage d'Arlo, c'est Pixar! Vice versa, c'est Pixar! Ça l'avait Léa! Vice versa, Coco, je vous l'ai dit, et ensuite il y avait donc En Avant, qui est un peu bidé en vrai. C'est le dernier Pixar à être sorti au cinéma en 2020, et Soul, qui est sorti uniquement sur Disney+, qui est une énorme. Ah, mais oui, voyez, je me casse. Je voyais l'affiche. Donc voilà, tous les... là je vous ai fait tous les films Pixar qui vous manquaient. Voilà, les gars. Tous leurs films, donc, c'est des masterclass quand même. Quand même, Matt qui remporte le tour de table, qui marque un point là-dessus. On est donc avec Matt avec 2 points. Edouard, malheureusement pour lui, qui marque 0 points, pas de point de l'honneur. Et Léa, encore une fois, avec 12 millions. 478 582 points. Il n'y en a que 3, calme-toi. Et voilà, on va pouvoir terminer ce tour de table et ce podcast là-dessus. Je te redonne la parole, Edouard. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste. C'est très triste cette fin. Merci Léa, merci Matt. Merci Pauline à la régie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu. Et si c'est le cas, voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Salut.